Votre fils est dans un état grave. Lors de l'accident, il a subi un traumatisme crânien. Et cette commotion violente a provoqué une hémorragie cérébrale. Simon était dans le coma à son arrivée à l'hôpital. Nous sommes dans un contexte où il serait possible d'envisager que Simon fasse don de ses organes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pourquoi est-il maintenu en réanimation s'il y a plus d'espoir? Qu'est-ce qu'on attend? Je comprends pas. Je veux voir Simon. Virgilio Breva, vous partez prélevé à l'hôpital du Havre. Qu'est-ce qu'il fout à la pitié? Je vous pose cette question car si la personne décédée, ici votre fils, Simon, n'a pas fait connaître son refus de son vivant, si elle n'a pas exprimé son opposition, il faut nous interroger ensemble et nous poser la question de son consentement. Attendez, du consentement à quoi? Du consentement au prélèvement de ses organes afin de permettre des greffes. On a un cœur compatible. Une équipe part immédiatement prélever. Venez maintenant, la transplantation aura lieu cette nuit.